Gardez une vitesse constante, 25 degrés à droite, monsieur le jouteur, ne pas vouloir coller au cœur. Et visez bien la partie qui vous est réservée. Encouragez le jouteur! Ah, monsieur les arbitres. Faute du rouge, les gothiques vainqueurs. Faute technique, messieurs, les Celtiques. On passe au moyen. La victoire leur a fait du bien au moral. Attention aux fautes techniques, donc, on l'a dit, pour l'instant, pas d'appel à la vidéo, ça reste des fautes techniques visibles, mais des fois, en cas de doute, effectivement, nous avons l'arbitrage vidéo prévu. Instaurez-vous la victoire pour les gothiques, en faveur des gothiques. Le pavois, on le colle. 20 degrés à droite. Pavois collé au corps aussi. Oui. Moi, c'est bien, je les colle. Oh. Attention aux barreurs, les consignes sont faites. Oui, avertissement, attention, le pavois collé, 20 degrés à droite. Pavois, attention, du côté rouge, côté celtique, le pavois collé. Messieurs, joutez. Oh, victoire celtique. Belle victoire, Maître et sans bavure. On peut les applaudir. Elle est bonne, Romain. Hein, changement de jouteur. Et on passe au poids lourd maintenant. Poids lourd. Avec pour les Celtiques. Christophe Vincheneux, multiple vainqueur ici qui est élu. Et c'est 121,7 kg. Eh, t'es sûr que c'est pas Vincheneux?
Et du côté des gothiques, Damien, Dan Gibb et ses 94 kg 600. Avantage sur la balance, bien sûr, pour les Celtics, mais ça ne veut rien dire. Et on le rappelle que la grande finale d'il y a 2 ans s'est jouée à quoi ? Eh bien, uniquement à la différence de poids. Et ça s'est joué à une tranche de jambon. Il y avait quoi ? 20 grammes. 20 grammes de différence sur la balance entre le vainqueur et son dauphin. Eh oui, comme quoi ça se joue vraiment à rien du tout. Ah, ils sont pas tombés. Il n'y en a aucun qui est tombé là. Hein? Ah ouais. Bon anniversaire, Madame. Maillot orange, puis c'est déchiré. Ah ouais. Présentation des équipes.